c'est moi qui ai créé mon domaine en 2008. Mon père et grand-père étaient viticulteurs, mais apportaient à la cave coopérative. Donc j'ai créé mon domaine sur 3 hectares de vignes. Et aujourd'hui, j'ai 6 hectares. Je fais partie de l'un des plus petits domaines de vin sobre. Je souhaite rester sur une petite surface pour justement continuer d'aller travailler mes vignes, vinifier mon vin et aller au contact de mes clients pour commercialiser mon vin. J'ai une seule cuvée de vin sobre qui est sur un terroir argilo-calcaire. C'est un assemblage de grenache et de syrah, élevé en barrique pendant un an, mais sur des barriques de 3 et 4 ans pour pas trop marquer le goût du bois et ainsi garder beaucoup de fruits, car sur le terroir de vin sobre, nous avons des vins avec du fruit, de la fraîcheur, qui fait que même avec ces millésimes assez chauds, nous avons encore beaucoup de fraîcheur, on a un bon équilibre dans les vins. Je connais beaucoup de mes clients personnellement, comme je vends beaucoup aux particuliers. Pour beaucoup, ils boivent du vin d'Audrey. Ils ne boivent pas du domaine du Tav, ils boivent du vin d'Audrey. Et quand ils me disent ça, j'ai l'impression de partager avec eux leur moment de convivialité.